الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. Prophète محمد صلى الله عليه وسلم dit à un de ses compagnons: pas gaspille de l'eau pendant qu'il te peut faire wazou avec de l'eau de la rivière. Première leçon nous a tiré là-dedans, c'est l'approche claire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre gaspillage et l'excès en toutes choses. Deuxième chose qui capable paraître un petit peu étonnant, l'idéal pas gaspille de l'eau de la rivière. En réalité, ces prophètes peuvent promouvoir respect de la nature, respect de l'environnement. De nos jours, en 21e siècle, ça devient extra important. Quand nous guettons ben problèmes tels que tsunami, couche d'ozone peut user avec ce effet le cancer à la peau, réchauffement climatique et les autres problèmes en cours qui nécessitent ben investissement des milliards et des milliards d'efforts et des devises. Et à la base de tout ça ben problème là, à la clé de tout ça, il y a ce que l'être humain pas peut respecter la nature de façon qu'il est supposé respecter lui. Toute décision qu'il y peut prendre, il ne peut pas considérer sur l'impact de la nature. Pour revenir à nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, de toute cela vie, une seule fois nous connaît les fins coupées de pied. Les fins même dire que si nous connaît la fin du monde dans les minutes qui suivent, nous avons la possibilité de semer la graine, planter un pied qui nous fait vie. Sans encore une fois démontrer respect et valeur qui les place l'eau, la nature. En ce moment, beaucoup d'experts peuvent accorder à dire que la nature peut respirer, la nature peut reprendre ce droit, la nature peut refaire. Tout ça parce que l'homme l'y emprisonné, l'homme y en confinement. Beaucoup de ses activités une réduite, sinon une cancel. C'est à ce moment donné là que la nature peut capable refaire, la nature peut capable revivre. Alors qu'en réalité il n'est pas supposé être comme ça. Nous supposons une balance en toutes choses et surtout pas débalance la nature de toutes nos bonnes actions, toutes nos bonnes décisions qui nous peut prendre. Nous faisons droit que ce petit rappel là, il démontre nous valeur et respect prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la nature, l'environnement, l'écologie. C'était un des bons principes, un des bons l'éthique. Comme ça même, il y a beaucoup les autres éthiques qu'il y en a dans la vie et qui sont très avant-garde quand nous considérons dans la société de nos jours. Et donc, pour rappel, respecter la nature, respecter l'environnement, c'est avant tout une sunna du prophète qui nous est appelé à implémenter dans nos vies de tous les jours afin qu'il y ait une meilleure forme de vie, une meilleure vie lors de la terre. Zakallah, nous espérons que ça profite d'eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah